La Polynésie française avait des lagons très peuplés d'huîtres perlières, mais néanmoins, le collectage naturel, donc le captage de naissains, est quand même très variable puisqu'il va dépendre de l'environnement, des conditions climatiques de l'année en particulier. Finalement, certaines îles ne vont pas pouvoir collecter aussi bien que d'autres. Du coup, mes collègues ont fait appel à l'IRD pour mieux comprendre les mécanismes liés au collectage. Les conditions climatiques de température, d'agitation du lagon, de renouvellement des eaux dans un lagon fermé ou semi-fermé vont influer, disons, le cycle de vie des huîtres, leur mortalité, etc. On influence aussi tout ce que l'huître consomme, donc le plancton. Il peut y avoir aussi le climat influe sur le plancton et indirectement sur l'huître. Le climat peut agir d'un point de vue hydrodynamique sur les courants et donc dans la phase de dispersion larvaire, les huîtres ont pondu et que les larves commencent à se disperser. Donc les courants vont agir sur la dispersion et donc in fine sur le collectage. On a vraiment choisi une approche de modélisation en s'appuyant sur des résultats précédents, c'est-à-dire modélisation hydrodynamique des courants dans les lagons, afin de simuler de manière la plus réaliste possible la dispersion des larves dans le lagon. Et donc éventuellement après expliquer les probabilités de collectage. Aujourd'hui, les résultats du programme MANA nous aident beaucoup dans la gestion spatiale en fait d'un atoll. Voilà, au lieu de mettre des lignes de collectage un peu n'importe où dans l'île, le projet MANA a permis d'identifier les zones avec toutes les conditions météo, la circulation du lagon et les stocks sauvages d'huîtres. Et bien, les zones de collectage les plus efficaces ont été identifiées. Il y a toute une génération de périculteurs qui ont commencé en fait hein, dans les années 80-90. En fait, leur ferme est en train d'être reprise par leurs enfants, par toute une nouvelle génération. Et eux, ils sont beaucoup plus conscients des enjeux environnementaux et tout, beaucoup plus ouverts à ce genre de recommandations.